Citoyen TV met en avant les informations du monde, avec des citoyens, pour des citoyens et par des citoyens attachés à une coopération gagnant-gagnant entre États souverains et en soutien aux acteurs qui défendent le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Bonjour, bonjour, au sommaire du JT Citoyen du 5 mai 2021. Actualité au Tchad, gouvernement de transition. Actualité aux USA, Pelosi explique comment calomnier avec l'aide des médias. Et pour finir, France patriote avec l'intervention de Greg Toussaint. Commençons tout de suite avec l'actualité au Tchad. Gouvernement de transition. Le gouvernement de transition que dirige Paimi Padake Albert matérialise l'espoir d'un Tchad qui croit à la volonté politique de ses fils. Il est aussi le symbole de l'unité nationale sans laquelle la paix n'est pas possible. C'est une manière de dire que malgré les divergences politiques et le contexte difficile que traverse actuellement le Tchad, le pays se remettra debout. Le Tchad que nous voulons de tous nos voeux doit se construire avec la participation de tous ses fils. L'actuelle équipe gouvernementale de transition est sans nul doute la représentativité de toute la nation tchadienne. Cela est une assurance, voire une fierté nationale pour tout Tchadien et plus de paix. Ainsi, le chemin vient d'être tracé. Instaurer un dialogue national inclusif afin de réconcilier les Tchadiens avec leur pays est la principale mission de cette équipe gouvernementale. Pour y arriver, membres du gouvernement, acteurs de la société civile, leaders politiques, ceux de la diaspora et bien d'autres, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Il s'agit de consolider la paix chèrement acquise au prix du sang, mais aussi et surtout de préserver les réalisations déjà existantes et d'autres en cours d'exécution dans plusieurs domaines pour le bien-être de la population tchadienne. Le Tchad moderne construit par notre héros national qui n'est plus de ce monde est un bien commun qu'il faut jalousement préserver. Le Tchad où règne la paix et la tranquillité est un héritage que nous a légué les martyrs de la nation tchadienne, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, un président jaloux de la souveraineté de son pays et du continent noir. Donc, la réussite de ce gouvernement nous interpelle tous sans exception. Chacun de nous doit se soumettre à un examen de conscience pour qu'ensemble nous relèverons les défis qui planent. La réconciliation est l'une des voies qui mènent vers la paix et le bonheur. Le bonheur est possible puisque les Tchadiens ont confiance au gouvernement de transition. Tout de suite, actualité aux USA. Pelosi explique comment calomnier avec l'aide des médias. Here it goes. Self-fulfilling prophecy. You demonize. Vous démonisez. And then we call it the wrap-up smear. Et on appelle ça la calomnie rapide. And you want to talk politics? Call it the wrap-up smear. Au milieu de la politique, ça s'appelle la calomnie. Le wrap-up smear. Ouais, en gros, l'emballage de la calomnie. You smear somebody. Tu diffames quelqu'un. Ok, bah vas-y toi. Falsehoods and all the rest. Avec des fausses informations et tout le reste. And then you merchandise it. Et ensuite, tu le vends. And then you write it, and they'll say, see, it's reported in the. Et après, vous, en s'adressant aux médias, elle dit, vous le prenez, vous l'écrivez, et après les gens disent, et après on dit, ah, vous voyez, c'est écrit dans les médias. Press that this and this. So they have that validation that the press reported the smear. Et donc, avec la validation des médias, on peut appuyer cette histoire. And then it's called the wrap-up smear. Now I'm going to merchandise the press's report on this. Vas-y, Rudy. Ben voilà, en gros, une fois qu'il y a des rapports de presse qui sont parus sur cette question, on va pouvoir les utiliser comme outil marketing. Et en gros, de moi, ce que je comprends de ce qu'elle dit, c'est que d'autres journalistes vont pouvoir utiliser ces articles pour justifier que c'est une vraie information. Et chacun des journalistes va se servir de l'article de l'autre pour dire « Regardez, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai », sauf qu'à la base, tout ça, c'est bâti sur du vent. Et elle nous le dit, hein, elle l'avoue, elle s'en cache pas. La fin est intéressante. Ouais. The smear that we made. And it's a tactic. And it's une technique. Self-evident. C'est une technique, c'est quelque chose qui se fait. Bon, ben voilà, c'est très bien ça. Donc, vous avez la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis. Elle est là, un des postes les plus hauts
aux sphères du pouvoir, un des plus hauts, pas le plus haut, heureusement, elle vient de dire ouvertement, alors pour démoniser, diaboliser quelqu'un, c'est super simple, c'est une stratégie, c'est connu dans la politique, hein, ça s'appelle l'emballage de diabolisation ou peu importe. Et du coup, on propage des mensonges pour une personne, ensuite les médias écrivent ces choses-là et on a la validation des médias, et du coup, le mensonge que nous on a dit, après on n'a même plus besoin de le justifier, on dit, regardez, c'est écrit dans les médias, même les médias le disent. Il y avait eu une histoire comme ça pendant le Capitol où son laptop avait été embarqué. Ils avaient retrouvé un mail où elle avait écrit un mail à un sénateur, je crois, où elle disait peu importe si vous avez raison ou pas, vous le donnez ça aux médias, puis ils vont sortir des articles pour aller dans votre sens, en fait. J'essaie de retrouver ça. Tu voudrais dire qu'il y a une conspiration, une collision politique entre l'appareil médiatique et l'appareil politique. Non, pas dire ça. La méthode AFP, on appelle ça, nous dit Angélique. Ouais, t'as pas tort, Angélique. Vous savez ce que ça veut dire, AFP, hein ? C'est l'agence des fils de... Ouais. Voilà. Donc, next. Parce que... Et pour finir, France Patriote, intervention de Greg Toussaint. Bon, plusieurs choses à vous dire dans cette vidéo. Déjà, l'entretien avec Marine Le Pen est décalé pour le moment. On revient vers vous pour vous donner des nouvelles. On a déjà d'autres candidats qui nous ont contactés pour participer. Vous serez tenus au courant. Ensuite, c'est parti. Nous traversons la France à pied à partir de lundi prochain, donc le 3 mai, pile le jour du déconfinement. En vrai, on n'en a rien à branler du confinement, c'est que ça nous a arrangé. La marche va durer environ un mois et demi et nous allons très certainement en chier. Et je me suis engagé à le faire, je tiens mes engagements. Et comme si ça ne suffisait pas, on risque de souvent dormir dehors, puisque la plupart du temps, nous allons bivouaquer. Verbe dont j'ai découvert la définition la première fois que j'ai dormi dehors dans le froid volontairement. Et chaque semaine, on vous balance une petite vidéo histoire de vous dire où on en est et vous tenir au courant de mon état de santé. Si vous ne voyez pas de vidéo, soit j'ai passé l'arme à gauche, soit j'ai fait une insolation. Dans ce cas, rien de méchant. Un autre père, deux je vous salue Marie et je repars comme en 46. Maintenant, vous concernant directement, plusieurs choses à vous dire. Je commence par une mauvaise nouvelle. En vue de la situation sanitaire actuelle, on va pas pouvoir recevoir du monde sur toute la marche. On part avec une toute petite équipe et malheureusement, on ne pourra pas le faire à 10 000 comme je l'avais imaginé quand j'étais encore complètement inconscient de la gravité de ce virus. C'est surtout que je suis pas sûr que les autorités nous laissent faire une marche à 10 000 personnes. Je veux dire, c'est une marche associative, pas une croisade le bordel. Du coup, on a quand même pensé à vous, on se donnera rendez-vous à des points de rencontre dans les différentes villes par lesquelles on va passer. Un document sera disponible sur le site de l'association pour que vous sachiez où on en est et à quel moment. Lien en description de la vidéo. Pareil pour le bivouac, on va devoir rester entre nous, impossible de partager des nuits avec vous. Après, je sais qu'on s'aime bien, mais peut-être pas au point de dormir ensemble. En plus, laisse tomber, j'ai tendance à ronfler quand je dors sous la pluie. Donc rendez-vous aux différents points de rencontre. Le mail est disponible aussi si jamais vous voulez faire preuve de charité en nous invitant chez vous. Je vous dis, on n'est pas chiant tant qu'il y a un jacuzzi. Sur le reste, on ferme les yeux. Mais en plus, sérieusement, on passera vous voir avec plaisir. Je rappelle que cette marche est faite dans un premier temps pour mettre la lumière sur notre association Tout pour la France, qui va venir en aide aux agriculteurs en mettant en valeur leur travail à travers des émissions que nous allons tourner. Et beaucoup me demandent, Greg, on veut participer à notre niveau, comment on fait? C'est très simple, les amis. Regardez ce que je porte sur moi. Le t-shirt de la médaille, 100% fabriqué en France. Tout est français dans ce t-shirt et la qualité, comme on disait au XVIIe siècle, pète sa mère. Petite médaille brodée sur le cœur, ça fait plaisir. On a voulu faire du 100% fabriqué en France de qualité et on a quand même essayé de tirer les prix vers le bas. Sachez qu'à l'achat d'un t-shirt, une partie des bénéfices servira à financer notre association Tout pour la France. Si vous voulez nous filer un coup de main en vous marrant pendant une manif de gauchistes, un t-shirt la médaille et le tour est joué. Les t-shirts sont donc disponibles sur le site de la médaille, lien en description. Dans un second temps, je rappelle que le but de cette marche est de remettre la France au centre du débat. Le pays va mal. L'insécurité, la division, l'Europe et des élites complètement déconnectées de notre terre. Terre qu'ils ont carrément oubliée. Il est temps de remettre notre nation en lumière parce que je le répète, ça fait 40 ans qu'ils ont coupé le courant, c'est gros coq. En tout cas, si je ne reviens pas en vie de cette aventure, n'oubliez jamais... Vive la France libre et surtout, surtout, surtout qu'ils aillent tous se faire médailler.